Mesdames et Messieurs, en tant que président de la Société africaine de l'anesthésie régionale, ABSRA, je voudrais vous accueillir à notre premier webinaire en français dédié à notre section francophone du continent africain. Le thème de notre webinaire aujourd'hui est la sécurité en anesthésie loco-régionale. Je voudrais remercier Dr. Benius Famina, maître assistante en anesthésie réanimation à l'hôpital central de l'armée de l'Alger. Elle est aussi chef de zone en chirurgie thoracique et vasculaire. Je voudrais aussi remercier Dr. Baruj Noureddine, spécialiste en anesthésie réanimation à la clinique Mazlan Constantine en Algérie. Elle est spécialisée en traitement interventionnel de la douleur et anesthésie loco-régionale et QGD. Dr. Baruj, il est directeur du Masterclass d'anesthésie régionale et QGD et Point of Care Ultrasound. Le webinaire sera modéré par Dr. William Baraka, anesthésiste à l'hôpital Philadelphie en DRC, et Dr. Gilles Eloi Rubuka, infirmier anesthésiste au Burundi et président de la Association d'anesthésie au Burundi. J'espère que vous allez apprécier notre webinaire et à bientôt. Merci et au revoir. Bonsoir, chers tous. Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes contents de vous accueillir ce soir pour notre webinaire que nous avions préparé. C'est notre premier webinaire en français dans la Société africaine d'anesthésie loco-régionale. Comme vous le savez, c'est sur la sécurité en anesthésie loco-régionale. Je me présente, mon nom c'est William Baraka. Je suis anesthésiste et réanimateur de l'hôpital Philadelphie. Je suis aussi anesthésiste et réanimateur au centre médical Bioglody en RDC dans la ville de Bukavu, dans la province de Sud-Kivu. Nous pratiquons toutes sortes de chirurgies. Nous faisons la neurochirurgie, l'orthopédie, la chirurgie abdominale, la chirurgie gynécologique, la chirurgie ophtalmologique. Nous sommes plus habitués dans l'anesthésie générale et l'anesthésie loco-régionale. Je suis l'ambassadeur de la Société africaine d'anesthésie loco-régionale ici au Congo. Je suis aussi le président du mouvement Safe Pediatric Obstetrical Oncologic Anesthesia and Intensive Care and Pain Management. Je suis aussi le modérateur de cette session, donc pour cette soirée. Je suis donc parmi les modérateurs et je vais accueillir le docteur Baruj pour sa présentation. Sa riche présentation, j'espère que vous allez vraiment apprécier cette présentation de cette soirée et vous n'allez pas les regretter. Nous sommes heureux de vous avoir dans la Société africaine d'anesthésie loco-régionale. Le docteur Baruj, vous pouvez donc vous présenter, à vous le clavier, à vous de jouer. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, je suis le docteur Baruj Noureddine, médecin anesthésiste réanimateur à la clinique Meyseline Constantine, Algérie. Je suis un passionné d'anesthésie loco-régionale. Aujourd'hui, je vais vous présenter la sécurité en anesthésie loco-régionale, un thème d'une importance capitale. De prime abord, j'aimerais remercier l'ensemble du bureau de l'African Society of Regional Anesthesia, à leur tête le président, le docteur Izzet Sami Aziz, ainsi que le docteur Mohamed Mustafa, pour les efforts consentis à faire briller l'anesthésie loco-régionale sur le continent africain. Si l'anesthésie est à l'évidence l'une des spécialités les plus sûres de la pratique médicale, l'aviation en a été inéluctablement une grande source d'inspiration. Ainsi, et pendant longtemps, l'anesthésie est comparée justement à l'aviation pour différentes raisons. Il y a d'abord la similitude des trois phases de décollage correspondant à l'induction anesthésique.
Deuxièmement, la croisière qui correspond à la période préopératoire. Et enfin, l'atterrissage qui correspond au post-opératoire. Deuxièmement, l'aspect sécurité, la High Reliability Organizations ou la haute fiabilité organisationnelle. Troisièmement, la checklist qui est quotidienne au bloc opératoire. C'est la même chose par rapport à l'aviation. Enfin, il y a le côté high-tech qui est partagé par les deux spécialités. Déjà, entre 1998 et 2006, le docteur Kent Garman, médecin-chef du département d'anesthésie de l'Université de Stanford, il enseignait déjà l'application des protocoles d'aviation aux résidents d'anesthésie-réanimation. Donc, il faut rappeler qu'il était vétéran américain du corps des Marines, qu'il a fait la guerre du Vietnam, et il a eu justement l'idée d'appliquer ces protocoles à la gestion du risque et la sécurité. Il racontait toujours l'histoire de l'avion L-1011, à ses résidents. L'avion L-1011 reliait en fait New York à Miami un certain 29 décembre 1972, lorsque le pilote a basculé le commutateur du train d'atterrissage. Le témoin était toujours éteint et tout le monde dans le cockpit était fixé par le tableau de bord, que ce soit le pilote ou le copilote, qui voulait savoir pourquoi le témoin était toujours éteint. Et l'avion perdait de l'altitude, il y a eu une interruption de tâche et un oubli, et ça s'est soldé par un crash malheureux et dramatique, entraînant la mort de 101 personnes, des 176 passagers et membres d'équipage. Et justement, le docteur Garman donc, disait que l'interruption de tâche pourrait également tuer des patients. Et c'est pour cela qu'il enseigne aux résidents les techniques d'aviation, comme par exemple le balayage et les autres techniques qu'on verra après. En fait, que ce soit le pilote ou l'anesthésiste, le balayage justement de l'horizon est de mise en aéronautique. Les anesthésistes également, donc ils font un balayage visuel du malade. Les pilotes vérifient la vitesse, l'altitude, les systèmes hydrauliques, les systèmes électriques. Le médecin anesthésiste également, il vérifie le monitorage, ils font un balayage du champ opératoire, ils ont un contact verbal et visuel permanent avec les malades et ils vérifient également l'appareillage. Un autre exemple de médecin anesthésiste et de pilote en même temps, c'est notre ami et maître, le docteur Régis Fusier, qui est pilote et anesthésiste et qui s'intéresse justement à l'application des protocoles d'aéronautique en anesthésie et réanimation. Il a mis au point plusieurs vidéos qui parlent justement de ça. Il y a trois vidéos que je vous conseille de voir. C'est une série d'épisodes, la minute du docteur Captain, où le docteur Régis Fusier parle des risques des tâches routinières, des risques de l'oubli d'une tâche et les risques des erreurs en anesthésie loco-régionale. Alors, les tâches routinières sont communes aux deux métiers. Alors, en aviation, il y a le changement de cap, changement de vitesse, changement d'altitude. En anesthésie réanimation, réglage d'échographe, préparation des drogues, monitorage, etc. Les tâches, en fait, sont très nombreuses, avec un certain degré d'automaticité qui entraîne une baisse de vigilance avec un risque d'interruption de tâches et d'erreur. Enfin, il y a un livre, un roman fiction qui est plutôt réaliste, While Hospitals Should Fly, The Ultimate Flight Plan to Patient Safety and Quality Care. Alors, c'est un livre qui a été écrit par John Nance.
Alors, l'auteur suggère justement le développement des protocoles d'aviation liés à la gestion du risque et la sécurité en milieu hospitalier, dont le but, c'est clair, c'est d'optimiser la sécurité du malade et améliorer la qualité des soins. Alors, on va commencer par les complications de l'anesthésie loco-régionale. Alors, ici, il s'agit d'une publication de 2019, donc, qui parle des différents types de blocs utilisés couramment en anesthésie. Alors, on commence par les blocs du membre sup, hein, interscalène, supraclave, infraclave et axillaire, pratiquement tous les blocs du plexus du membre supérieur. Le plexus brachial. Alors, au niveau du membre inf, c'est le plexus lombaire, sciatique, fémoral, latéro-cutané fémoral, obturateur, poplité et saphène. Tous les types également de blocs de la tête et du cou, plexus cervical, ganglion stellaire, occipital, maxillaire, mandibulaire, et les blocs du tronc. Comme les blocs intercostaux, paravertébraux, les tapes et enfin les blocs périmédulaires, rachianesthésie, péridurale, caudale. Alors, les risques et les complications inhérents justement à l'anesthésie loco-régionale, c'est les complications des blocs nerveux et des blocs périmédulaires. Ici, on commence par les blocs périmédulaires. Alors, les complications peuvent être à type de céphalée post-brèche turmérienne, les lésions nerveuses, les dorsalgies, les signes neurologiques transitoires, l'arachie totale au cours de la péri, l'hématome périmédulaire, l'abcès péridural, la méningite, l'arrêt cardiaque, rétention d'urine, toxicité aux anesthésiques locaux, syndrome douloureux chronique et les complications hémodynamiques. Alors, il y a les complications de l'anesthésie loco-régionale, donc les complications respiratoires donc, de l'anesthésie loco-régionale, les blocs périmédulaires. On peut avoir donc une rachianesthésie totale, une anesthésie péri-massive, diffusion céphalique des morphiniques avec des pressions respiratoires. Lorsqu'on fait également les blocs du plexus brachial, on peut faire un bloc médulaire involontaire. On peut faire également une parésie hémidiaphragmatique lorsque les anesthésiques touchent le nerf phrénique. Et enfin, on peut faire un bloc permanent du nerf périphérique. Enfin, les pneumothorax peuvent être entraînés par les blocs supraclaviculaires, les blocs du nerf suprascapulaire, le bloc paravertébral et les blocs intercostaux. Enfin, les complications des blocs périnerveux se résument par les lésions nerveuses, les hématomes, les infections sur cathéter surtout, et enfin les erreurs de côté. Alors, sur cette publication sur le Journal of Bone and Joint Surgery, il y a des complications inhabituelles, un peu rares, qui ont été décrites. Un syndrome de Brugada qui a été induit après un bloc interscalénique. Un BAV du troisième degré également qui a été décrit après injection de bupivacaïne lors d'une prothèse de genou. Il y a également un pseudo-anévrisme de l'artère axillaire avec déficit du nerf médian lors d'un bloc axillaire et complication après mise en place d'un cathéter, au niveau interscalénique qui a été enlevé. Donc, la malade est sortie et elle est revenue dans un tableau de douleurs lancinantes, des douleurs très, très importantes. Donc,
Après avoir fait des examens radiologiques, il s'est avéré qu'un bout de cathéter est resté incarcéré au niveau donc, du plexus brachial et qui entraînait un cisaillement de ce dernier avec des douleurs importantes. La malade a été opérée avec succès et ils ont enlevé le bout de cathéter qui cisaillait le plexus. Alors, une complication également qui a été décrite, c'est l'hématome péridural. Ici, sur ces images IRM, l'hématome péridural est évident avec compression médulaire. Donc, enfin, il y a des complications très rares, des complications vasculaires, comme c'est le cas ici. Une publication d'un hématome axillaire après un bloc infraclaviculaire chez un patient qui présentait déjà des anévrismes mycotiques du membre supérieur. Une complication également qui est vraiment dramatique hein, pour le malade, c'est la paralysie des muscles rhomboïdes par atteinte du nerf scapulaire dorsal, surtout lorsqu'on pratique les blocs interscaléniques, il faut faire très attention parce que sur le trajet de l'aiguille se trouve le nerf, comme on voit ici. Donc, vous voyez ici le plexus, vous voyez les racines C5, C6 et C7. Ici, au niveau donc, du scalène moyen, se trouve le nerf scapulaire dorsal. Donc, imaginez ici, si on ne fait pas attention et dans le trajet de l'aiguille, qui a priori est destiné à justement bloquer le plexus, on peut léser le nerf et ça donne justement cette déformation hein, inesthétique avec paralysie des muscles rhomboïdes. Alors, justement, afin de mieux comprendre les lésions nerveuses liées aux anesthésies loco-régionales, il faut comprendre la structure des nerfs périphériques. Alors, sur ces deux images, on voit les différents constituants des nerfs périphériques. Donc, ici, on voit les fascicules à l'intérieur. Alors, l'épinerve, ici, l'endonerve et le périnerve. Voilà. Alors, en fonction de l'injection qu'on fait, donc, on peut décrire justement les injections intrafasciculaires qui sont très dangereuses et peuvent laisser les nerfs de manière définitive, comme c'est le cas sur cette image. Alors, l'injection intraneurale également, qui est très très dangereuse à éviter, l'injection épineurale, et c'est surtout l'injection périneurale qui nous intéresse. Donc, on va voir les règles de bonne pratique pour la sécurité et la qualité de l'anesthésie loco-régionale. J'ai résumé les règles en 10 points. On va commencer premièrement par les règles qui sont dictées justement par les protocoles de l'aéronautique. Alors, la première chose, c'est qu'il faut faire toujours une checklist avant le décollage. Avant de faire l'induction de l'ALR, il faut faire une checklist. Alors, le balayage, comme on l'a vu tout à l'heure, il faut faire un balayage de l'image échographique, un balayage du malade et un balayage du scope. Alors, tout le temps, il faut balayer l'image échographique afin d'éviter des nerfs, comme on l'a vu tout à l'heure, le nerf scapulaire dorsal
et afin d'éviter les lésions nerveuses. Il faut tout vérifier, voire faire des vérifications croisées, faire un collationnement de l'information, partager donc l'information. Il faut pratiquer justement une concordance et une cohérence des infos et justement refuser tout le temps l'interruption de tâches. Comme vous l'avez vu, l'interruption de tâches peut être vraiment fatale. Alors, la deuxième règle, on parlera de l'erreur de côté. Alors, qui est responsable de l'erreur de côté? Est-ce que c'est l'anesthésiste ou le chirurgien? Alors, vous imaginez un patient qui devrait être opéré d'une fracture de l'humérus à gauche. Imaginez que le médecin anesthésiste vienne faire un bloc du plexus à droite. Donc, c'est le médecin anesthésiste qui va initier cette erreur. Donc, il faut faire très, 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 très attention. Alors, sur cette publication British Journal of Anesthesia, et donc ça parle des bonnes pratiques par rapport à la sécurité du malade. Donc, on résume en fait les facteurs qui contribuent justement à l'erreur de côté. Alors, l'environnement, c'est surtout lorsque les blocs sont faits dans des endroits en dehors du bloc opératoire. Alors, c'est des erreurs qui se passent quand l'équipe est distraite, quand ils font justement les blocs périnerveux. Alors justement, c'est parce qu'ils ne suivent pas donc les règles des protocoles comme le stop protocole. Et il y a également des facteurs humains, comme par exemple les médecins anesthésistes ou même l'équipe qui sont pris par le temps. Il y a également les conflits interpersonnels, l'absence de communication et l'absence également d'information et de supervision. Justement, pour éviter cette erreur de côté, il y a eu des protocole, le stop protocole qui a été donc élaboré. Donc, un stop avant toute loco régionale. Donc, il faut dire stop. Avant de réaliser le bloc, on doit vérifier premièrement l'identité, on doit identifier le côté à opérer et contrôler le type d'ALR à effectuer. Pratiquement toutes les sociétés savantes la société anglaise d'anesthésie régionale et même la société française d'anesthésie réanimation ont fait justement des campagnes de stop protocole afin d'éviter justement les erreurs de côté. Troisièmement, donc, on va voir les recommandations des sociétés savantes, les recommandations concernant l'anesthésie loco-régionale périnerveuse, mais également les recommandations concernant les blocs périnerveux. Donc, premièrement, la neurostimulation. Donc, la neurostimulation, selon les recommandations récentes, n'est plus la technique de référence. Donc, la technique de référence est représenté par l'éco-guidage, d'accord. Donc avant, en 2003, c'était une technique de référence, mais les recommandations actuelles donc disent qu'il faut réaliser les blocs sous éco-guidage. Alors, il est justement recommandé d'utiliser l'éco-guidage pour la réalisation d'une ALR périnerveuse dans le but d'obtenir pour une efficacité équivalente ou supérieure aux autres techniques une réduction de la dose, volume et concentration d'anesthésiques locaux utilisés et donc du risque de toxicité systémique. Alors, faut-il réaliser une anesthésie loco-régionale sur un patient sédaté ou éveillé?
Donc, il est actuellement clair qu'il est probablement recommandé en première intention de réaliser une ALR chez un patient éveillé ou légèrement sédaté, calme et coopérant. Toutefois, comme le précise la recommandation, toutefois, après discussion avec le patient, il est possible de réaliser un bloc associé à une AG ou une sédation profonde s'il existe un bénéfice. Alors, il ne faut plus également faire de mélange. Les mélanges d'anesthésiques locaux de longue durée d'action plus les anesthésiques locaux de courte durée d'action ne sont probablement pas recommandés. Les mélanges sont à éviter, donc ils ne font qu'augmenter le risque de toxicité. Alors, pour les traitements par anticoagulant oral direct, ce sujet a été déjà traité par le docteur Ben Youssef. Donc, mais chez un patient donc traité par anticoagulant oral direct à dose curative et en dehors du contexte de l'urgence, il est probablement recommandé de respecter un intervalle d'arrêt de 3 jours. Avant la réalisation du geste, sauf en cas de traitement par le dabigatran pour lequel une dernière prise J4 à J5 est préférable. Actuellement également, il n'est plus recommandé justement de faire des ALR IV, donc l'anesthésie loco-régionale intraveineuse en raison de la brièveté de l'action, de l'absence d'analgésie post-opératoire, l'inconfort des patients, le risque, etc. Donc, elle disparaît progressivement de la pratique de l'anesthésie loco-régionale. Alors, il est également recommandé de faire des surveillances d'au moins 30 minutes après une ALR du membre sup, 60 minutes après une ALR du membre inférieur. Alors, pour le sujet septique, anesthésie loco-régionale et le sujet septique, il n'existe aucune contre-indication à la réalisation d'une ALR périnerveuse chez le patient septique, à condition de ne pas ponctionner directement au niveau de la zone infectée. Alors, pour les complications neurologiques, alors des blocs périphériques des membres, en complément des données actuelles, ce qu'il faut faire, c'est faire premièrement un examen neurologique qui est précis. Il faut demander un avis du neurologue et en cas de suspicion de lésion nerveuse secondaire, il est recommandé de réaliser un examen électrophysiologique ainsi qu'une IRM. Alors, comment reconnaître les injections intraneurales? Alors, comme vous voyez sur ces images échographiques, alors ici, l'image A, donc on voit le nerf ulnaire, l'artère axillaire et la veine céphalique. Alors ici, il y a, sur l'image B, il y a une injection intraneurale. Il y a une aiguille qui se situe au niveau du nerf. Après l'injection, le nerf a gonflé. Donc il y a premièrement un gonflement du nerf. Alors vous voyez également, il y a un halo intraneural donc, qui s'est constitué. Le nerf n'est pas refoulé, donc c'est un signe également qui est pathognomonique justement de l'injection intraneurale, parce qu'en fait, quand on injecte, quand on fait une injection, on doit avoir une attraction, plutôt un refoulement du nerf. Alors, le nerf également, quand on enlève l'aiguille, au retrait de l'aiguille, le nerf est attiré avec l'aiguille. Et il faut dire aussi que l'injection intraneurale peut être asymptomatique. Alors, quelles sont les stratégies et les méthodes pour réduire les lésions nerveuses? Alors,
Premièrement, il faut faire des anesthésies loco-régionales chez un patient éveillé. On doit utiliser des aiguilles à biseau court, échogènes. Il faut éviter les aiguilles à biseau lent. Alors, il faut toujours faire un abord tangentiel du nerf afin d'éviter les injections intraneurales. Éviter les paresthésies également. Il ne faut pas les rechercher. Alors, on peut également, quand on craint justement de faire des lésions nerveuses, on peut être amené à utiliser la neurostimulation comme double guidage avec des ampérages de 0,2 milliampères, donc pour voir si on est situé loin du nerf ou près du nerf. Il faut monitorer également la pression d'injection et éviter d'injecter les anesthésiques locaux quand on a une pression. Éviter l'adrénaline autour des nerfs mal vascularisés, comme par exemple le nerf sciatique. Il faut optimiser l'image afin de mieux voir les structures nerveuses à éviter et pratiquer l'hydrolocalisation. Alors, les autres recommandations pour la pratique cliniques qui sont communes à l'anesthésie loco-régionale et l'anesthésie générale. Il faut informer le malade et il faut obtenir son consentement. Deuxièmement, il faut faire une consultation d'anesthésie en chirurgie programmée plusieurs jours avant de pratiquer l'anesthésie. Il est recommandé également d'organiser le programme opératoire. Les règles du jeûne préopératoire sont les mêmes pratiquement que les règles de l'anesthésie générale. Le monitorage est pratiquement, c'est les mêmes règles et les mêmes recommandations pour le monitorage de l'anesthésie générale. Donc, SCOPE, DynaMap, monitorage de la SpO2 et les règles d'asepsie également sont très importantes, particulièrement quand on met en place les cathéters. Donc, désinfection de la peau, double badigeonnage, désinfection et stérilisation du matériel, de la sonde, et mettre une capote avant de faire une anesthésie loco-régionale. Alors, il faut également faire la surveillance des agents ESCAPE. Il faut éviter les germes nosocomiaux comme l'entérocoque, le staph, la klebsiella, acinobactère, pseudomonas, entérobactère et Escherichia coli. Enfin, l'ergonomie, elle est très importante également à considérer quand on fait des gestes d'éco-guidage. Il vaut mieux respecter les règles d'ergonomie. Alors, il faut respecter également les contre-indications à l'anesthésie loco-régionale, comme par exemple les coagulopathies, les infections au point de ponction, les vraies allergies aux anesthésiques locaux, les troubles neurologiques pouvant être aggravés par les anesthésiques locaux, et enfin, le refus des patients. Alors, on va voir maintenant la toxicité systémique des anesthésiques locaux. Très importante à considérer, il faut connaître les signes cliniques et surtout la conduite à tenir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le système nerveux central est plus sensible que le système cardiovasculaire. Donc, les signes neurologiques en général précèdent les signes cardiovasculaires. Les signes neurologiques sont représentés par 70% des cas, c'est des convulsions. Dans 10% des cas, une agitation et un coma dans 7% des cas. Il y a des prodromes donc, à type de paresthésie péribucale, goût et sensation de métal, donc le goût métallique et bourdonnement. Dans 40% des cas, donc, les convulsions avec arrêt cardiaque progressif. Alors, il y a également, en plus de la toxicité neurologique, il y a la toxicité cardiaque, donc dans 11% des cas, troubles de la conduction, diminution de la contractilité et des résistances vasculaires périphériques, troubles de l'ECG avec un PR lent, QT lent, bloc de branche, bradyarythmie, voire même des tachyarythmies. On peut avoir également un choc cardiogénique du fait de la diminution de la contractilité avec hypotension artérielle réfractaire. Il faut savoir que les signes immédiats
Les signes peuvent être immédiats, mais peuvent être retardés après 45 minutes à une heure d'injection. Alors, que faut-il faire en cas de toxicité aux anesthésiques locaux? Donc, l'avis d'expert est clair, donc il est recommandé justement d'administrer des émulsions lipidiques type intralipide en intraveineux, donc avec évidemment les mesures de réanimation d'urgence. Voilà un résumé de la conduite à tenir en cas d'intoxication, en cas de surdosage aux anesthésiques locaux. Donc la première chose à faire, c'est d'appeler à l'aide. Un, de deux, il faut stopper l'injection et stopper la chirurgie. Ventilation au masque, FiO2 à 100%, massage cardiaque prolongé et administration d'adrénaline. Donc, 1 mg d'adrénaline, il faut éviter de donner des doses importantes d'adrénaline et commencer en urgence un bolus d'intralipide à 20%. On donne 1,5 ml par kilo. Alors, donner benzodiazépine type midazolam s'il y a des convulsions. Ensuite, si malgré le premier bolus d'intralipide, il n'y a rien et qu'il y a une hypotension, on donne 0,5 ml par kilogramme d'intralipide, donc on répète, on donne un autre bolus. En cas d'instabilité cardiovasculaire, on répète le bolus de 0,5 ml par kilo d'intralipide. Alors, ce qu'il faut, c'est toujours respecter les doses et faire des doses tests avant d'injecter. Donc ici, ce tableau montre la présentation, la posologie et les doses, les doses des différents anesthésiques locaux, mépivacaïne, ropivacaïne et lidocaïne. Alors, il ne faut pas oublier également de parler du COVID-19. Donc, même si la tendance à disparaître, donc on doit parler des leçons apprises du COVID-19. Alors, il y a eu des recommandations des sociétés savantes, ISRA, ASRA. Donc, il y a eu des recommandations par rapport à l'utilisation des techniques d'anesthésie locaux régionales. Donc, c'est clair, au cours du COVID, la régionale, l'anesthésie régionale était préférée à l'anesthésie générale. Il a été recommandé justement d'utiliser le guidage échographique pour les blocs nerveux. En fait, les avantages étaient clairs. C'était des avantages qui étaient spécifiques au COVID. Donc, premièrement, l'anesthésie loco-régionale évitait le risque de complications post-op, elle évitait les risques respiratoires chez les patients aux poumons infiltrés, les effets néfastes de l'AG tels que nausées, vomissements, hypoxie, et évitait d'exposer justement les patients chez qui l'anesthésie générale pouvait être particulièrement dangereuse. Et enfin, limiter l'utilisation de produits anesthésiques en salle d'opération. Alors, en conclusion, il y a certains points à ne pas oublier. Alors, premièrement, il ne faut pas oublier que l'éco-guidage donne un faux sentiment de sécurité. Donc, il ne faut pas se dire que on fait plus de neurostimulation, l'éco-guidage est vraiment donc sécurisant. Non, c'est un faux sentiment de sécurité. Donc, il faut toujours appliquer les règles de sécurité. Alors, justement, il faut retenir aussi que les risques d'anesthésie loco-régionale persiste, que ce soit en ALR périnerveuse et même en ALR périmédulaire. Justement, c'est l'intérêt d'une solide formation initiale des médecins anesthésistes qui
devraient pratiquer l'anesthésie loco-régionale. Alors, pratiquement toutes les sociétés savantes, ASRA, ISRA, AFSRA, EILR et même Regional Anesthesia UK organisent justement des formations, des formations en anesthésie éco-guidée et en anesthésie loco-régionale, sans oublier également la Gulf Pain School de notre ami Ammar Salti et Ultra Dissection Pain Eco Training de Mario Fajardo. Alors, en Algérie, il y a le club anesthésie qui organise plusieurs sessions annuelles. C'est des masterclass d'anesthésie régionale éco-guidée. Donc, il faut insister justement sur la formation initiale qui doit être solide. Alors, absolument, comme on l'a vu lors de la présentation, il faut respecter les principes des recommandations de sociétés savantes. Toutes les recommandations doivent être systématiquement respectées. Alors, il faut généraliser donc l'éco en anesthésie loco-régionale et l'encourager. Et sans oublier, comme on l'a vu avec les règles de sécurité de l'aéronautique, il faut savoir que les compétences techniques, purement anesthésiques, ne sont pas suffisantes. C'est pour cela qu'il faut avoir d'autres compétences pour la gestion du risque, comme ceux utilisés en aéronautique. Il faut connaître le balayage, le refus d'interruption de tâches, etc. Enfin, je finis la présentation avec cette citation de Antoine de Saint-Exupéry dans son livre Terre des Hommes. Avec l'avion, nous avons appris la ligne droite. J'espère que nous autres anesthésistes, on va être justement aidés par les protocoles de l'aéronautique. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci professeur Baroudj, merci docteur Baroudj pour la riche présentation. J'étais vraiment ému par cette présentation, c'est vraiment une très bonne présentation. En fait, s'il y a des questions, elles sont les bienvenues, vraiment elles sont les bienvenues, vous pouvez toutefois les laisser dans la boîte de discussion. Mais entre-temps, j'ai quelques petites questions, docteur Baroudj. J'aimerais savoir si lombaire pour les blocs nerveux. Je voulais aussi une précision. Sur, quand vous aviez dit que plusieurs anesthésiques, les problèmes reviennent donc à la concentration des produits ou à la durée d'action des produits. J'aimerais avoir plus de précisions là-dessus. J'ai vu aussi dans la boîte de discussion une autre personne qui a demandé si c'est possible de faire l'anesthésie loco-régionale. Je pense qu'il parlait de la rachianesthésie avec l'exilocaïne. Merci beaucoup. Si vous pouvez reposer les deux premières questions. C'était haché, je pense qu'il y a un problème de connexion. Docteur William Baraka, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez reposer les deux premières questions? Oui, oui, docteur, je vais poser les deux premières questions. Vous me captez bien, j'espère? Oui, pour le moment, oui. Ça va. La première question est de savoir si c'est correct d'utiliser l'aiguille à ponction lombaire pour les blocs nerveux. Ah, ok, ok. La deuxième? La deuxième question est de savoir si l'utilisation des drogues mixées, si on mélange les drogues anesthésiques, si le problème est lié à la concentration des produits, les principes pharmacologiques, ou si le problème est lié à la durée d'action, ou alors si c'est correct d'utiliser plusieurs produits pour les blocs. Je voulais avoir plus de précisions là-dessus. Merci, cher ami William.
En fait, pour la première question, peut-on utiliser les aiguilles de rachianesthésie pour faire les blocs nerveux? La réponse à la question, c'est non. Pourquoi? Parce que, en fait, les aiguilles d'éco-guidage, les aiguilles qui sont donc faites justement pour faire des anesthésies éco-guidées, sont à biseau court. Et il y a aussi le fait que l'aiguille de la ponction lombaire n'est pas échogène. Donc, du coup, il y a quand même un risque réel. Si l'aiguille n'est pas échogène, si le biseau n'est pas court, il y a un risque, un vrai risque de lésion nerveuse. Donc, ce qu'il faut, c'est toujours utiliser des aiguilles qui sont faites justement pour les blocs nerveux périphériques. Alors, pour la question des mélanges. Alors, les mélanges, il ne faut plus faire de mélanges. C'est clair. Pourquoi? Parce qu'il y a des arguments, en fait, en défaveur de l'utilisation de mélanges. Premièrement, il n'y a pas de bénéfice à utiliser ce mélange. Ça veut dire qu'en général, on se dit, on fait le mélange, pourquoi? Pour avoir un mélange de xylo et de marcaïne, pour qu'il y ait un délai d'action qui est court et en même temps une longue durée d'action. Alors, en fait, ce n'est pas totalement vrai parce que la différence de délai d'action entre la xylo et la bupivacaïne n'est pas très, très importante. Bon, le deuxième argument pour ne pas justement utiliser de mélange, c'est qu'il y a un grand risque de toxicité. Et c'est justement le sujet du webinar. Ça veut dire qu'il faut rester safe, il faut rester dans les limites de la sécurité. Donc, c'est clair, les recommandations des sociétés savantes justement recommandent de ne pas utiliser de mélange. Alors, pour la question concernant l'utilisation de la xylocaïne qui a été longuement utilisée autrefois pour la rachianesthésie et qui a été délaissée, justement parce que la xylocaïne, particulièrement à haute concentration de jusqu'à 5%, était à l'origine justement de toxicité directe, des toxicités locales et non systémique au niveau des nerfs, et ça donnait des syndromes de queue de cheval et parfois même des paraplégies. Je rappelle que au décours du Covid ou même au cours du Covid, il y a eu des ruptures de bupivacaïne. Donc les gens certains de nos confrères étaient tentés justement avec cette rupture de bupivacaïne, étaient tentés d'utiliser justement la xylocaïne et je vous dis qu'il y a eu des cas justement de lésions, de toxicité directe de la xylocaïne sur les nerfs. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, je vois qu'il y a William. Oui, oui. Je vois qu'il y a d'autres questions. Je pense qu'on peut prendre deux questions pour passer à l'autre présentation. Alors, je suis en train de voir, en gros. Alors, est-ce qu'il y a un risque en cas d'injection in-plane par rapport à l'injection out-of-plane? Alors, ça dépend. En fait, ça dépend de la nature du bloc. Je vais citer un exemple courant, c'est le bloc interscalénique. Le bloc interscalénique, justement, les experts recommandent d'utiliser pour les novices, pour les gens qui n'ont pas en fait l'habitude de faire des blocs interscaléniques, ces experts, justement, recommandent d'utiliser la technique out of plane. Pourquoi? La raison est claire. Vous avez vu tout à l'heure, lors de la présentation, dans le bloc interscalénique, il y a un nerf qu'il faut absolument éviter. C'est le nerf scapulaire dorsal et qui se trouve justement sur le trajet in-plane, donc dans le plan,
sur le trajet dans le plan quand on veut bloquer le plexus brachial à ce niveau. Donc du coup, il faut éviter de faire un bloc dans le plan quand on n'a pas l'expérience et quand on ne voit pas le nerf. Donc pour un novice, il est recommandé justement de faire des blocs out of plane. Donc en gros, et en conclusion, ça dépend du bloc qu'on souhaiterait faire. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, je suis en train de voir. Alors, bon, pour ce qui est de la question concernant le dosage et la dose test. La dose test, c'est clair, quand on fait des péri, par exemple, des péridurales, il vaut mieux faire des dose tests et voir si on n'a pas mis le caté au niveau donc sous-arachnoïdien. Et là, du coup, si on met la dose totale du premier coup, on risque de faire une rachianesthésie totale. Pour ce qui est du dosage, les dosages sont connus, hein, connus de tous. Hein, la xylocaïne, que ce soit pour l'enfant ou pour l'adulte, doit être prescrite en fonction du poids. Chez l'enfant, c'est entre 5 et 7 mg par kilo quand on l'injecte sans adrénaline. Avec l'adrénaline, c'est entre 5 et 10 mg par kilo. La ropivacaïne, c'est entre 3 et 3,5 mg. Donc, il faut respecter absolument les dosages. Alors, pour l'éco-guidé, pouvons-nous choisir quel matériel ? En fait, il faut choisir le matériel le plus sécurisant pour le malade. Et voilà, il faut utiliser des aiguilles à biseau court, je l'ai précisé. Donc, les recommandations des sociétés savantes sont unanimes concernant ce sujet. Donc, il faut absolument utiliser des aiguilles à biseau court, mais des aiguilles également qui sont conçues pour l'éco-guidage. Donc, c'est des aiguilles qui devront être écogènes, ça veut dire bien visibles à l'échographie. Alors, le docteur Amel Benbetka, bonjour Amel. Donc, elle a raté celle du docteur Ben Youssef. Non, vous n'avez pas raté. Le docteur Ben Youssef va prendre la parole d'ici quelques minutes. Voilà. Est-ce qu'il est possible d'avoir le PDF de la présentation? Oui, on le mettra en ligne. Et voilà, il y a le docteur Charles Fadili Mapenzi qui pose la question, comment participer aux formations? Eh bien, il faut voir avec quelle équipe vous voulez faire la formation, que ce soit avec les équipes du docteur Salti en Espagne, en France, avec le docteur Boselli, Emmanuel ou IALR. Sinon, avec nous, c'est sur le site anesthésie.club. Alors, il y a une question, si on a une intubation difficile, pouvons-nous tenter une ALR ou non? Écoutez, il faut toujours peser le pour et le contre. Alors, quand on a une intubation difficile, voire impossible, il faut toujours se dire que l'anesthésie loco-régionale peut ne pas marcher et on peut être appelé à intuber le malade. Donc, il faut préparer le matériel d'intubation difficile. Il faut avoir pratiquement tout hein, devant soi, le fibroscope pour intubation. Et là, vous pouvez tenter une ALR le plus normalement du monde. Quelle est la place de la neurostim dans un contexte où c'est facilement accessible? Écoutez, quand on n'a pas l'échographe, et qu'on est obligé justement de faire une anesthésie loco-régionale, là oui, la neurostim, ça peut passer. Mais si on est dans une structure où on a un échographe et on a la possibilité de l'utiliser, il vaut mieux faire de l'éco-guidage. Les recommandations ont changé
depuis une vingtaine d'années. Les recos de l'ASFAR de 2003, justement, disaient que la NeuroSTIM était la technique de référence. Actuellement, elle n'est plus la technique de référence. Il y a aussi l'indication de la NeuroSTIM. Moi-même, je l'utilise pour certains blocs, particulièrement en association à l'éco-guidage, particulièrement pour le bloc du nerf obturateur. Le docteur Najat Mihoub, quand on a l'impression d'un échec suite à une rachie, peut-on réinjecter pour une autre rachie? Si c'est le cas, dans quel délai et quelle dose la deuxième rachie? Quand est-ce qu'on se dit vraiment que notre rachianesthésie n'a pas marché? Un délai à attendre? Écoutez, c'est difficile de répondre à la question, et plus difficile encore, c'est d'être à la place du médecin anesthésiste qui, justement, est face à cet échec. En général, quand il y a un échec à la rachie, il n'y a pas de bloc moteur. C'est-à-dire qu'il y a des éléments de raisonnement et de jugement qui peuvent être justement utilisés. Bon, vous dites qu'il n'y a pas de bloc moteur, donc il y a vraisemblablement un échec. Là, vous pouvez réinjecter. Maintenant, si, par exemple, vous avez des signes de rachianesthésie avec hypotension, il n'est pas recommandé justement de faire la deuxième injection. Dans tous les cas, c'est difficile c'est difficile de répondre à cette question. Chaque cas est un cas. Donc, il faut voir si le malade a un estomac plein, il faut peser le pour et le contre. Si on peut faire une anesthésie générale, je pense que c'est le mieux. Alors, je pense qu'on devrait laisser les questions. Alors, c'est tout pour les questions. Je vous remercie. Merci le docteur William, le docteur Gilles. Merci. Merci beaucoup, docteur Barraud. Vraiment, c'était une très riche présentation. Merci vraiment. Nous vous sommes vraiment infiniment reconnaissants. Je pense que c'est la première, la meilleure de toutes les présentations que j'ai déjà vues en anesthésie, en sécurité en anesthésie loco-régionale. Nous sommes fiers de t'avoir dans la Société africaine d'anesthésie loco-régionale. Bon, pour les restes des questions, nous sommes vraiment désolés parce que nous courons derrière les temps. Nous avons encore une autre riche présentation. Et pour la suite, je laisse la parole à mon confrère, le docteur Gilles Eloi, pour la suite de la modération de notre deuxième présentation. Merci beaucoup. Ah, merci beaucoup, cher William. Je m'appelle Eloi Guyoka, je suis burundais. Je suis infirmier anesthésiste, président de l'association d'anesthésie du Burundi qui représente le pays dans la Fédération mondiale des sociétés d'anesthésie, la WFSA, et la Fédération internationale des infirmiers anesthésistes, IFNA, et aussi la Fédération mondiale des infirmiers de soins intensifs, WCCN. J'ai un baccalauréat de sciences en anesthésie et réanimation. J'ai un master de sciences infirmières et actuellement doctorant de sciences infirmières en soins intensifs, urgences et réanimation. Pourquoi il y a ce besoin de ce type de visioconférence? En fait, c'est une chance pour nous aujourd'hui d'avoir cette première présentation qui est faite en français. Les précédentes étaient faites en anglais. Et c'est une chance pour l'Afrique francophone de pouvoir avoir accès à ce type de présentation, car il y a beaucoup de lacunes qui se présentent par rapport à l'anesthésie loco-régionale, car la réalité sur terrain montre bien que la plupart des anesthésistes très qualifiés se trouve dans les grandes métropoles. Pour le Burundi, par exemple, il y a deux barrières. La première barrière, c'est
le manque de personnel qualifié. Je vais diviser en deux le type de personnel. Nous avons les médecins anesthésistes, mais aussi pour le contexte africain, beaucoup de praticiens sont les anesthésistes et non médecins. Pratiquement les infirmiers anesthésistes, mais aussi les autres types d'anesthésistes et non médecins. Si je prends l'exemple du Burundi, nous avons moins de 10 médecins anesthésistes qui sont tous concentrés dans une seule région, dans une seule capitale. Nous avons plus de 17 villes et la plupart des anesthésistes se font dans les régions plus reculées. Et nous avons des anesthésistes, soit infirmiers anesthésistes ou bien d'autres types d'autres pratiquants anesthésiques, qui sont amenés à faire des anesthésies générales d'une manière automatique et continue, ou bien des anesthésies médulaires pour chaque cas de membre inférieur. Nous avons les chirurgies des membres supérieurs. Presque généralement, nous avons des anesthésies générales. Et les patients sont assujettis à des complications liées à l'anesthésie générale qui pourraient être évitées grâce aux techniques de l'anesthésie locale régionale. C'est pourquoi la Société africaine d'anesthésie locale régionale a une très grande place pour les pays africains où les techniques pourront être apprises et le risque associé à l'anesthésie locale régionale et les centres et les blocs médulaires pourraient être évités pour certains types de chirurgie. Donc, c'est pour cela que nous encourageons d'autres membres des pays africains qui ne sont pas encore affiliés à AFSCA, qui est la Société africaine d'anesthésie locale régionale, de pouvoir joindre parce que par elle, nous pouvons faire une cascade de... Il y a une opportunité de pouvoir faire des cascades de formation de toutes ces techniques localement dans nos pays. Pour ma présentation, je peux arrêter par là. La deuxième partie de cette vision conférence, nous allons avoir Dr. Benyousef Amina, qui est maître assistante en anesthésie réanimation à l'hôpital centre de l'armée d'Alger. Elle est aussi chef de zone ou bien chef de poste en chirurgie thoracique et vasculaire. Je vous prie de pouvoir la suivre. À vous, Dr. Amina. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Je tiens à remercier la Société africaine d'anesthésie loco-régionale de m'avoir incluse dans ce webinaire. Je précise que je n'ai aucun conflit d'intérêt, si ce n'est l'amour pour l'anesthésie d'une façon générale et pour l'anesthésie loco-régionale plus particulièrement. Nous allons aborder ensemble les règles de sécurité à respecter lors de la réalisation d'une anesthésie loco-régionale chez un patient sous antithrombotique, à savoir anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire, parfois les deux, avec comme objectif principal de réduire au maximum le risque de formation d'un hématome. La gestion périopératoire ou périprocédurale des antithrombotiques pourrait paraître compliquée du fait de la nécessité de connaître la physiologie de l'hémostase et le mode d'action aussi bien des différents antiagrégants plaquettaires, mais aussi des anticoagulants. Auparavant, les choses étaient simples et se résumaient à trois grandes classes thérapeutiques, les antivitamines K, les héparines et l'aspirine. Puis sont apparus de nouveaux agents antiplaquettaires, avec principalement l'éthiénopéridine et en chef de file le clopidogrel. Puis en 2008, nous avons vu apparaître les nouveaux anticoagulants oraux, appelés dans le temps NACO. Ces derniers ont fait l'objet de recommandations en 2011. Ces recommandations ont été calquées sur la gestion des AVK par manque d'expérience et d'études en la matière. Actuellement, ces NACO sont appelés anticoagulants oraux directs et leur gestion a été
largement simplifiée grâce au travail remarquable fait par les différentes sociétés savantes, les sociétés d'hémostase, d'anesthésie réanimation. La gestion périprocédurale d'un patient sous anti-thrombotique devant bénéficier d'une anesthésie loco-régionale est une situation particulière car elle nous expose à un double risque, thrombotique et hémorragique. Le thème d'aujourd'hui étant la sécurité en ALR chez un patient sous antithrombotique, il sera question essentiellement du risque hémorragique. Malheureusement, en termes d'association ALR-antithrombotique, la littérature est pauvre. Les études manquent de qualité et il y a peu de recommandations. La preuve en est cet article paru en 2022, cette année, qui est le plus récent, et où les différents experts impliqués n'ont pu éditer des recommandations que de niveau C. Le risque hémorragique, d'une façon générale, dépend de la technique d'anesthésie loco-régionale réalisée, de l'agent antithrombotique administré et enfin des caractéristiques du patient. Les principales caractéristiques du patient sont la fonction rénale, qui sera exprimée par la clearance à la créatinine, l'âge du sujet, on s'intéressera notamment au risque qui sera plus élevé chez les sujets âgés de plus de 70 ans, et enfin les BMI très bas. Quant aux techniques d'anesthésie loco-régionale, elles peuvent être divisées en deux grands groupes, les blocs périmédulaires et les blocs périphériques, qu'ils soient superficiels ou profonds. Les blocs superficiels sont ceux pouvant être responsables d'un hématome superficiel sans retentissement clinique important. La prise en charge du saignement sera facile par simple compression et dans ce cas, le maintien des anticoagulants pourra se faire. Fort heureusement, ces blocs superficiels correspondent à la majorité des blocs que nous réalisons en pratique quotidienne, à savoir le bloc axillaire, le bloc fémoral ou encore le bloc sciatique au creux poplité. Il pourra également s'agir des blocs des plans de fascia qui sont très à la mode en ce moment, notamment le bloc parasternal, le bloc du plan du serratus, qu'il soit superficiel ou profond, le bloc des érecteurs du rachis ou enfin les blocs interpectoral ou pectoserratus. Quant aux blocs profonds, ce sont ceux qui vont être responsables d'un saignement significatif et dont les conséquences pourront être très graves. La prise en charge du saignement sera justement difficile du fait de la profondeur et de l'existence de vaisseaux non compressibles. Dans ce cas, le geste d'hémostase pourra être un geste invasif allant jusqu'à l'intervention chirurgicale et l'arrêt des agents thrombotiques est recommandé en cas de bloc profond. Ce sont en fait les blocs périmédulaires, à savoir l'arachie et la péridurale aux différents étages, les blocs plexiques, comme par exemple le bloc du plexus lombaire, ou enfin le bloc paravertébral aux différents étages, cervical, thoracique ou encore lombaire. Les agents antithrombotiques, il y en a deux grandes classes, les anticoagulants et les antiagrégants plaquettaires. Les antiagrégants plaquettaires agissent sur les plaquettes, ils sont indiqués dans la prévention de la maladie thromboembolique artérielle. Ils peuvent être prescrits en mono ou en bithérapie, leur mode d'action est différent, ainsi que leur potentiel hémorragique. Il y a également deux grandes catégories d'anticoagulants, les anticoagulants oraux, à savoir les antivitamine K et les AOD, les anticoagulants oraux directs, et nous avons les heparines par voie parentérale, qu'elles soient HBPM, HNF ou fondaparinux. Pour les coagulants oraux directs, il y a deux grands types, les anti-10A, comme le rivaroxaban, l'apixaban ou l'andoxaban, et les anti-2A, comme le dabigatran. Ces anticoagulants peuvent être prescrits de deux façons, soit à faible dose de façon préventive, ou encore à forte dose dans le cadre d'un traitement curatif. Les blocs superficiels pourront donc être réalisés sous anticoagulation et antiagrégation plaquettaire, quelle que soit leur posologie. Et comme vous le voyez dans ces recommandations,
sans avoir l'obligation de demander un test d'hémostase. Donc finalement, le risque hémorragique est le fait des blocs profonds réalisés chez des patients sous anticoagulants, antiagrégants plaquettaires ou les deux. La gestion du risque hémorragique se résumera à trois grands temps essentiels. Le premier étant l'arrêt de l'agent antithrombotique, puis viendra la réalisation de la technique loco-régionale du bloc profond, et enfin, il s'agira de reprendre le traitement antithrombotique. Commençons par les agents antithrombotiques et en commençant par les anticoagulants. Pour ce qui est des antivitamines K, les recommandations n'ont pas changé depuis celles de la Haute Autorité de Santé de 2008 et qui stipulent qu'il faudrait d'abord, une question de logique et de bon sens, avoir un INR de départ. Est-ce que le patient est bien coagulé avec un INR dans la cible thérapeutique? Est-ce que ce patient est trop anticoagulé avec un INR au-dessus de la zone cible? Ou encore, est-ce que ce patient n'est pas du tout hypocoagulé avec un INR inférieur à la cible thérapeutique? Il faudra, selon cet INR et selon le type d'antivitamine K administré, l'arrêter 3 à 5 jours avant le geste. Là, il est écrit la chirurgie, mais vous comprenez qu'il s'agit du bloc profond. Tout ceci pour obtenir un INR cible inférieur à 1,5 avant la procédure. L'arrêt des antivitamines K 3 à 5 jours avant l'intervention devra-t-il être suivi d'un relais héparinique ou pas? Eh bien, cela dépendra de l'indication de ce traitement par les antivitamines K. Si c'est pour des valves mécaniques, une fibrillation atriale chez un patient ayant un antécédent d'AVC ou encore un patient ayant fait une maladie thromboembolique veineuse il y a de cela moins de 3 mois, il faudra effectuer un relais héparinique après l'arrêt de l'antivitamine K. Ce relais, nous le savons, constitue un sur-risque hémorragique. Cependant, il faudra tout de même introduire les héparines 24 à 48 heures après l'arrêt de l'antivitamine K, 24 heures après arrêt de l'acénocoumarol ou Sintron, qui est le plus fréquemment prescrit. Puis il faudra, étant donné que ce sont des doses curatives, excusez-moi, arrêter les héparines si c'est des HBPM 24 heures avant, si c'est des HNF par voie intraveineuse 6 heures avant, ou encore si c'est par voie sous-cutanée, ce sera 12 heures avant, mais nous allons préciser ça un peu plus tard. Ce relais héparinique constitue un sur-risque hémorragique parce qu'effectivement, à un moment donné, essentiellement en post-opératoire, lors de la reprise de l'antivitamine K, on commencera toujours par des héparines de bas poids moléculaire à dose préventive, puis à dose curative, et on introduira par la suite les antivitamines K. Donc, à un certain moment de ce chevauchement, il y aura l'action de deux anticoagulants à dose curative, mais ces deux anticoagulants auront des actions différentes sur les facteurs de coagulation. Tout ceci a été simplifié assez récemment par la gestion des AOD qui ne nécessitent pas de relais préopératoire en héparine. Quant au post-opératoire, cela s'agira du risque thrombotique pour lequel le patient est sous AOD. Nous arrivons justement à développer la gestion des AOD, des héparines, celle des héparines étant assez connue depuis assez longtemps. Nous commencerons essentiellement par la gestion des AOD. Alors, un bloc profond sera réalisable après 2 demi-vies d'élimination de l'agent anticoagulant. Pourquoi 2 demi-vies? Eh bien, tout simplement parce qu'après ce délai-là, il n'y a que 25% d'activité anticoagulante restante et que ces 25% ont été retenus comme étant un bon compromis entre les deux risques, thrombotique et hémorragique. Ce graphe le schématise très bien. Nous voyons ici
qu'après deux demi-vies d'élimination, il y a réellement une baisse importante de la concentration de l'anticoagulant. Nous avons arrêté l'anticoagulant après deux demi-vies et réalisé notre bloc profond, que ce soit un bloc périmédulaire ou nerveux périphérique. Maintenant, il s'agit de savoir à quel moment nous allons pouvoir réintroduire le traitement anticoagulant. Là, il s'agit de respecter ce qu'on appelle un intervalle de sécurité. Alors, cet intervalle de sécurité est une combinaison entre deux éléments importants. Le premier étant l'hémostase physiologique. Effectivement, il faut 8 heures pour que le clou plaquettaire soit stable et ne soit pas sujet à une lyse par les anticoagulants. Le deuxième élément est le temps max. Le Tmax correspond au pic de concentration plasmatique de l'anticoagulant et il dépendra donc des caractéristiques pharmacologiques de chaque produit. On revient à cet intervalle de confiance ou de sécurité qui sera donc égal à nos 8 heures d'hémostase obligatoire dont on soustraira le pic plasmatique du produit. Et si on prend l'exemple, par exemple, l'exemple du dabigatran, chez qui le pic plasmatique se fait en 1h30 à 3h, on va se dire 2h, 8h moins 2h correspondront à 6h. On pourra donc reprendre le dabigatran 6h après avoir effectué notre geste d'ALR. La durée d'arrêt du traitement peut être prolongée à 4 demi-vies en cas de traitement curatif. Nous parlions bien d'un traitement préventif par des anticoagulants oraux directs, par des AOD. Là, nous voyons aisément la différence entre une dose prophylactique et la cinétique de l'anticoagulant par rapport à celle de la dose thérapeutique qui est beaucoup plus lente et qui correspond à un temps de demi-vie plus important. Lors des dernières recommandations sur la gestion périopératoire des AOD, il a été question de résumer les choses ainsi. Pour ce qui est des anti-10A, rivaroxaban, apixaban et doxaban, la dernière prise devra être à J-3 en cas de fonction rénale avec une clairance à la créate supérieure ou égale à 30 ml par minute. Quant au dabigatran, elle sera de 4 jours. Ce délai sera prolongé à 5 jours en cas de clearance à la créate abaissée en dessous de 30 ml par minute. En termes de recommandations entre l'anesthésie loco-régionale et les blocs profonds pour les AOD, il est question de 24 heures pour les anti-10A lors d'un traitement préventif, de 48 heures pour le dabigatran. Ce délai sera de 72 heures pour le dabigatran et pour les anti-10A en cas de traitement curatif. Quant aux HBPM et aux HNF, ceci est connu depuis longtemps. À dose préventive, on devra les arrêter 12 heures avant, les HNF 4 heures avant. Et en cas de traitement curatif, il s'agira d'arrêter les HBPM 24 heures avant et les HNF 6 heures avant si c'est en IV et 12 heures avant si c'est en sous-cute. Un cathéter périmédulaire majore bien sûr le risque hémorragique. L'administration de doses curatives d'anticoagulants n'est pas validée en cas de cathéter en intramédulaire. L'insertion d'un cathéter et son retrait représentent le même risque hémorragique. Un retour de sang à travers l'aiguille ou le cathéter devra faire retarder la reprise de l'anticoagulation. Nous arrivons à présent aux antiplaquettaires. Il existe de grands groupes, ou du moins aujourd'hui, nous nous sommes attardés sur les produits les plus utilisés en pratique quotidienne, à savoir l'aspirine, qui est un inhibiteur de la synthèse du thromboxane A2, et les bloqueurs du récepteur P2Y12 à l'ADP, dont l'éthinopéridine comme le clopidogrel.
Les recommandations sont claires. Si l'aspirine est prescrite à faible dose, à savoir inférieure ou égale à 200 mg par jour, ce qui correspond aisément à la prévention de la maladie artérielle coronaire qui tourne autour de 75 à 100 mg par jour, l'aspirine pourra être maintenue en cas de bloc profond, qu'il soit périmédulaire ou nerveux périphérique. Quant aux P2, aux inhibiteurs de la P2Y12, alors, pour le ticagrelor, il faudra arrêter 5 jours avant. Pour le clopidogrel, ça va de 5 à 7 jours. Et pour le prasugrel, il s'agit d'arrêter 7 jours avant la procédure d'ALR. Encore une fois, l'administration d'une thiénopéridine, comme le clopidogrel, ne peut se faire en cas de cathéter périmédulaire en place. On arrive à la gestion des situations urgentes. Il y a deux grands types de situations. Le premier, le plus fréquent, c'est celui d'un patient sous traitement anticoagulant à dose curative et qui doit bénéficier d'une anesthésie loco-régionale dans le cadre de l'urgence. Le second est un peu plus compliqué. Il s'agit d'un patient ayant un cathéter d'analgésie en place et qui se présente pour une urgence à l'anticoagulation comme un syndrome coronarien aigu, par exemple. Le premier cas, nous allons l'illustrer par un cas clinique. C'est toujours plus facile de revenir à la réalité. C'est une patiente âgée de 80 ans, aux antécédents d'ACFA non valvulaire, d'hypertension artérielle et de diabète type 2, qui se présente aux urgences pour une ischémie aiguë de la jambe droite devant bénéficier d'une désobstruction à la sonde de Fogarty. Notre conduite sera tout d'abord de demander un INR de départ, afin de vérifier le degré d'anticoagulation de la patiente, puis de réfléchir et de reconsidérer la technique la moins dangereuse, en pensant bien sûr à la possibilité d'une anesthésie générale. Cette anesthésie générale est possible, mais elle reste risquée devant une personne âgée et un geste chirurgical qui reste très court. L'arachianesthésie, dans ce contexte-là, est contre-indiquée. Pourquoi ? Eh bien, d'abord du fait de l'anticoagulation à dose efficace, puis aussi de la nécessité d'une antagonisation qui nous exposerait à un risque thrombotique, et enfin, étant donné l'âge avancé de la patiente, au risque de ponction difficile et aux hémorragies inhérentes à ce problème. La dernière option sera un bloc nerveux périphérique, superficiel bien sûr. On pourra effectuer effectivement une anesthésie du scarpa qui se résume à réaliser un bloc inguinal, un bloc ilio-hypogastrique, un bloc fémoral, le blocage fémoral de la branche génito-fémorale et enfin une petite infiltration sous-cutanée. Et enfin, la dernière option sera bien sûr de demander au chirurgien de faire une infiltration locale par de la lidocaïne et de compléter par une sédation minime en cas de besoin. Une réversibilité de l'effet anticoagulant est possible, reste possible par l'association de concentrés de complexes prothrombiniques dont l'action sera très rapide et se verra au bout de 10 minutes, associée à une prise orale de vitamine K afin de prendre le relais, l'effet étant éphémère. En cas d'utilisation de dabigatran, l'antidote existe, il s'agit de l'idarucizumab, mais bien sûr, nous n'oublierons pas que la réversibilité de l'effet anticoagulant ne garantit pas à chaque fois une bonne hémostase et expose à un surrisque thromboembolique. Le deuxième cas est donc celui d'un patient ayant un cathéter d'analgésie et qui présente un syndrome coronarien aigu. La conduite la plus conseillée, étant donné qu'il n'y a pas de recommandation en la matière par faute de preuves scientifiques, la conduite conseillée est de laisser le cathéter en place, son retrait étant une situation à haut risque hémorragique. Et pour conclure, nous dirons que l'hématome périmédulaire ou périnerveux est une situation dramatique
avec un risque de paralysie et d'hémorragie sévère, pouvant parfois mettre le pronostic vital en jeu. Que ces patients sous anticoagulants à dose curative devant bénéficier d'une anesthésie locorégionale doivent nous pousser à toujours reconsidérer l'autre technique, l'anesthésie générale. Que la constitution d'un hématome peut se faire dès les premières heures, mais que la littérature dit qu'elle est plutôt le fait d'une accumulation d'un traitement anticoagulant associé à d'autres facteurs de risque, tels que l'âge, au-delà de 70 ans, le sexe féminin, un cathéter en place et des difficultés, des anomalies du rachis, des difficultés techniques majorant le risque hémorragique et imposant de retarder la reprise de l'anticoagulation. J'espère avoir été claire et je vous remercie. Merci, docteur Amina, pour votre présentation. Elle était très riche. Et je vous remercie pour votre brillante présentation et l'accent sur les points essentiels à faire pour les anticoagulants. Pour ceux qui ont des questions, ils peuvent les poser maintenant. Et je vais parcourir ce que nous avons déjà. Il y a déjà deux questions que nous avons dans la boîte pour vous, docteur. La première est de savoir si le protocole d'anticoagulant ionique avec une anesthésie neuraxiale est exactement le même en obstétrique. C'est la première question. Bonsoir à tous. Merci Gilles pour le travail que tu fais. Excuse-moi, la question posée est-ce que le risque est le même pour les patientes d'obstétrique? Oui. Si le protocole d'anticoagulant ionique avec une anesthésie neuraxiale est le même que pour l'anesthésie en obstétrique. Absolument. Oui. Les mêmes règles sont appliquées et ça a été, en fait, les trois grands items qui ont été élaborés ou soulevés dans les dernières recommandations européennes sur la gestion de l'ALR chez un patient sous anticoagulant. Il s'agissait de parler du tout venant, d'un patient qui devait recevoir un bloc nerveux périphérique, d'un patient devant recevoir une anesthésie périmédulaire et enfin des patientes d'obstétrique. Et les mêmes recommandations concernant l'anesthésie périmédulaire essentiellement chez une patiente X s'appliquer ou un patient X s'appliquer à la parturiente. Merci beaucoup. La deuxième question, c'est de savoir si, quand le patient a un problème thoracique sévère et qu'il est sous double antiplaquettaire, est-ce que doit-on faire une rachianesthésie et prendre le risque d'un hématome péridural ou bien que faire? Alors, un problème thoracique, quel genre? Je n'ai pas compris le sens du problème thoracique. Bon, la question n'a pas été du tout. C'est pas grave. C'est pas grave. Si un patient présente un problème X et qu'il est sous bithérapie antiagrégante plaquettaire, doit-on faire une anesthésie périmédulaire? Oui. C'est ça, voilà. Alors, ce qui serait bien de garder à l'esprit, justement, c'est cette notion de sécurité. Et donc, il faudra au maximum éviter les anesthésies périmédulaires chez tout patient recevant une anticoagulation à dose curative et une anti-agrégation plaquettaire par exemple, l'éthinopéridine, notamment le clopidogrel. En général, dans le cadre de la prévention, ou plutôt pas dans le cadre de la prévention, dans le cadre de la prévention secondaire de la maladie coronarienne, il est associé de l'aspirine et du clopidogrel. Dans ce cas, c'est le clopidogrel qui pose problème et on ne doit absolument pas réaliser d'anesthésie périmédulaire, que ce soit une rachianesthésie ou une péridurale dans ce contexte. Merci beaucoup. Il y a une autre question qui dit comment gérer en cas de CIVD? Comment gérer? Un patient en cas de CIVD qu'on veut faire une anesthésie locorégionale. Donc, quelles sont les recommandations? Alors, en fait, je fais partie de tous les gens ici présents
sont enthousiastes par rapport à l'anesthésie locorégionale. Elle a permis beaucoup d'avancées. Elle nous permet de faire face à des situations très difficiles en pratique routinière. Mais il ne faut pas rester focalisé sur la seule technique d'anesthésie locorégionale. Et dans ces conditions de CIVD, il est clair que l'anesthésie générale est là pour faire face à ces situations. Est-ce qu'on parlait de ça? Choisir la technique ou pas? Est-ce que j'ai répondu? Parce que devant une CIVD, il est clair qu'on ne va pas s'aventurer à faire une ALR. Oui, la question était dans cet angle-là. Donc, voilà. Je pense que celui qui a posé la question. C'est formel, la réponse. Oui. Il y a une quatrième question par rapport à si on a un cas de polytrauma sous acide tranexamique. Et quelles sont les précautions à prendre si on doit considérer l'anesthésie locorégionale? Alors, un polytraumatisé qui devrait bénéficier d'acide tranexamique. Oui. On est bien d'accord. L'acide tranexamique est un antifibrinolytique qui devra être utilisé dès les premiers temps, justement avant que la CIVD ne s'installe. Maintenant, où est l'ALR dans tout ça? Je n'ai pas compris. En fait, c'est deux questions qui sont différentes. C'est un autre qui a posé si on a un cas de polytrauma qui doit être opéré, on considère l'anesthésie locorégionale et il a déjà reçu l'acide tranexamique. Oui. Donc, les précautions à prendre si on a un cas pareil. D'accord. Alors, je vais parler du polytraumatisé, mais je vais laisser l'acide tranexamique, si vous le permettez, à part. Okay. Si nous avons un polytraumatisé, en général, on va prendre un traumatisme du thorax. C'est très douloureux et ça va amputer notre capacité ventilatoire et entraîner des complications et entrer dans un système de cercle vicieux catastrophique. Là, effectivement, l'anesthésie locorégionale, ou devrais-je dire l'analgésie locorégionale, vraiment trouve sa place. Il a les blocs des plans de fascia qui sont considérés, heureusement, comme étant des blocs superficiels, mais qui, cependant, devront être réalisés par quelqu'un quand même qui ne va pas pour la première fois faire une tentative d'anesthésie locorégionale. Eh bien, on pourra gérer la douleur du patient en réalisant, même si c'est dans un contexte traumatique, même si il y a un risque justement de coagulabilité, là, on pourra faire soit un bloc des érecteurs du rachis, soit un bloc du plan des serratus, selon la localisation de la fracture de côte du thorax, par exemple. J'espère avoir répondu, sinon, je vous écoute. Oui, je pense que celui qui a posé la question, il a sa réponse. Il y a une autre question, il y a celui qui demande si vous pouvez revenir et préciser le délai de reprise des anticoagulants en post-opératoire. D'accord. Oui, en cas d'anesthésie, il a dit APM et AL profond. Très bien, parce qu'en fait, c'est ça qui pose problème. C'est ça qui pose problème. L'aspirine ne pose pas de problème, les blocs superficiels ne posent pas de problème. C'est ça qu'on devrait retenir. Alors, un patient qui est sous anticoagulant et chez lequel on a arrêté, etc., en préopératoire, on a effectué notre bloc profond. Maintenant, il s'agit, parce que ce malade, par ailleurs, présente un risque thrombotique, de reprendre notre anticoagulation. Comment on la gère? C'est bien ça? Oui. Voilà. Alors, c'est là qu'on a parlé tout à l'heure de cet intervalle de confiance. Cet intervalle de confiance, c'est-à-dire que c'est le temps nécessaire pour qu'on puisse reprendre notre anticoagulation en toute sécurité. Alors là, il s'agit de la fameuse double demi-vie. On sait que chaque agent anticoagulant, ou chaque agent d'une façon générale, mais chaque agent anticoagulant a une demi-vie qui lui est propre. Et chaque agent anticoagulant a un Tmax, c'est-à-dire un moment, je répète. Donc, on sait que chaque agent anticoagulant a un pic plasmatique, c'est-à-dire qu'au bout de 1 heure, au bout de 2 heures, au bout de 3 heures, 4 heures, cet agent sera efficace. Je vais vous prendre 2 exemples. Il y a l'exemple des héparines, les HDPM par exemple, et il y a l'exemple des AOD, et on va prendre l'exemple du dabigatran. On va commencer par parler des héparines et de l'énoxaparine,
connu par tout le monde et très utilisé en pratique routinière. Le temps de pic plasmatique de l'héparine est de 4 heures. Mais nous, on sait que d'une façon générale, dans la physiologie de l'hémostase, il nous faut 8 heures de temps pour que le clou plaquettaire soit stable et qu'on ait, si on veut, une restitution d'une hémostase quasi normale. C'est à ce moment-là qu'on pourra commencer notre anticoagulation. Alors, qu'est-ce qui a été convenu par les études, par les experts, etc. C'est qu'on prenne ces 8 heures qui sont fixes et qu'on enlève le temps de pic plasmatique. Pour l'énoxaparine, le temps de pic plasmatique est de 4 heures. Donc, si on met 8 heures moins 4 heures, on pourra reprendre, après notre péridurale, notre énoxaparine, après 4 heures de temps. Voilà ce qu'il faut retenir. On a mis un cathéter, il n'y a pas eu de retour de sang, il n'y a pas eu de problème, la malade a accouché, on va remettre 4 heures après l'énoxaparine, en toute sécurité. Ce qui pourrait nous faire réfléchir davantage, c'est de se dire, avant d'arriver au pic plasmatique, cet anticoagulant a déjà commencé à fonctionner. Mais on se dit qu'avant d'arriver au pic plasmatique, l'anticoagulant n'est pas assez efficace pour entraîner des dégâts. Donc, si vous voulez, par consensus, par étude, etc., on attend 8 heures. Les 8 heures, on enlève le temps de pic plasmatique du produit et là, on calcule notre temps et on saura à partir de quel moment on pourra réintroduire l'anticoagulant. Pour l'énoxaparine, c'est 4 heures. Pour le dabigatran, les anticoagulants oraux agissent beaucoup plus rapidement que les autres anticoagulants. Le dabigatran agit au bout de 2 heures, parfois même au bout d'une heure de temps. Donc, ce temps d'hémostase sera quoi? Il sera rallongé, ce temps de cet intervalle de confiance. C'est-à-dire qu'en cas de dabigatran, on ne pourra le reprendre qu'au bout de 6 heures de temps, parce que 8 moins les 2 heures de pic plasmatique, ça nous fait 6. Voilà ce que c'est. Les choses sont simples, il faudrait juste ne pas se mélanger les pinceaux comme je l'ai fait au départ. Merci beaucoup. Je pense que votre intervention répond aussi à la question de Clément du Bénin. Il demandait exactement la même question. Je pense qu'il a reçu la réponse. S'il y a d'autres questions, on pourrait aussi attendre un peu pour voir s'il y a d'autres questions. OK, il y a une autre question qui vient d'arriver. Et il y a celui qui demande qu'il aimerait bien savoir de quel type d'examen qui peut confirmer que le patient a subi une hématome périmédulaire. Comment attester l'hématome périmédulaire? Oui, c'est ça la question. L'IRM, en général, c'est l'examen clé. Oui, OK. Oui. Nous allons prendre le contexte général africain, parce que dans certains pays, l'IRM n'est pas du tout disponible à portée de main dans plusieurs pays africains. Donc, quelle serait l'alternative? Parce que celui qui demande la question, je sais à coup sûr qu'il n'a pas accès à l'IRM. Alors, en fait, ce qu'on doit se dire, c'est que comment arriver à faire une radiologie? Un examen de radiologie pour confirmer. D'abord, on est dans un contexte où il y a eu un geste chez un patient qui est sous anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire, déjà. Et en quelques heures après la réalisation du geste, nous allons avoir des manifestations cliniques, à type de douleur dans le dos, à type de fourmillement, ou encore, si on n'est pas vraiment proche de notre patient, ça peut arriver à la paralysie. Tout ceci va nous mener à aller confirmer le diagnostic. Ben, dans ce cas, je dirais un scanner. Et probablement que, oui, ça c'est le scanner, c'est la TDM du rachis. Ah, merci je pense beaucoup. Qu'on dispose d'un scanner. Au-delà de ça, on ne pourra pas. Je pense que ça répond parfaitement à la question. Vous voulez ajouter quelque chose? Gilles, si tu permets, je voudrais rajouter quelque chose qui m'a vraiment interpellée lors de la préparation de ce webinaire, c'est la question du blood patch. Vous savez tous que quand une patiente a une brèche, on lui fait une péridurale et que cette péridurale provoque une brèche, qu'elle a des céphalées, on le traite
depuis longtemps par un blood patch. Et ce blood patch consiste à injecter du sang dans l'espace péridural. Et dans ce cas-là, c'est quoi? C'est un hématome iatrogène. Eh bien, cette réflexion a poussé les scientifiques à reconsidérer les autres facteurs de risque d'hématomes périmédulaires en dehors des traitements anticoagulants et anti-agrégants plaquettaires. C'est-à-dire, le résultat, c'est quoi? C'est qu'ils ont vu que c'était le sexe féminin, que c'était surtout les patientes âgées de plus de 70 ans et qui avaient des anomalies du rachis. Je précise tout ça pour dire que si justement, dans cette catégorie, chez cette catégorie de patientes, il faut doubler, voire tripler de vigilance. Parce qu'en dehors des anticoagulants, on a déjà un risque d'hématome périmédulaire. Alors, on aura un sur-risque. Il faudra, chez ces patientes-là, éviter au mieux d'insérer un cathéter. Ou en tout cas, faire très attention et reconsidérer la question lorsqu'on a un retour de sang dans l'aiguille ou dans le cathéter. Tout cela, je l'évoque par rapport aux fameuses fractures du col pour lesquelles souvent on fait des rachis continus, etc. Beaucoup de prudence et être attentif au moindre signe qui vient, par exemple un retour de sang, que ce soit dans l'aiguille ou dans le cathéter. Et on n'oublie pas toujours que la mise en place ou l'insertion d'un cathéter représente les mêmes risques que son retrait. Voilà, je tenais à le dire parce que c'était vraiment quelque chose qui m'avait interpellée par rapport à ce blood patch qu'on fait en pratique quotidienne. Merci beaucoup pour votre précision. Il y a aussi des questions qui ont été posées qui ne sont pas reliées au thème d'aujourd'hui, mais qui sont intéressées par AFSRA. Comment joindre surtout la partie francophone, comme c'est la première fois qu'on tient ce type de webinaire. Il y a ceux qui sont intéressés, ils voudraient aussi savoir c'est quoi AFSRA, qu'est-ce qu'il y a et quels sont les gains. Donc, si vous pouvez explorer sur ça aussi. Alors, bon, je trouve que je ne suis peut-être pas la mieux placée pour répondre réellement, mais je dois dire que vraiment, je suis très contente que la société africaine commence à se montrer, commence à se voir. Il y a la société européenne, il y a la société américaine. Nous sommes un grand continent qui reste quand même dans l'ombre et il faudrait faire beaucoup plus de bruit autour de ce beau continent qui est le nôtre. Alors, la société africaine, c'est un grand nombre de médecins anesthésistes réanimateurs, une bonne partie de médecins égyptiens, dont le professeur Ezzet, dont le professeur Emeni, dont le docteur Mohamed Mustafa, qui font un travail remarquable justement dans la programmation de ce genre de webinaire, de ce genre d'activité scientifique. Plus, je ne pourrais pas vous dire parce que je ne sais pas plus. Voilà. Ok, merci beaucoup. Bon, ok, j'ai dans la boîte de discussion, j'ai donné l'email de contact pour contacter la fédération, mais aussi pour ceux qui ont des questions personnelles, parce que j'ai vu par exemple Dienba, il y a ceux du Bénin, aussi du Cameroun qui ont demandé les contacts en direct. Donc, ils peuvent me contacter ou bien contacter directement la société pour qu'on puisse étendre le champ d'activité. Absolument. Oui. Et nous restons à votre disposition pour toutes les questions, les articles à partager, etc. OK. Bon, je pense qu'on n'a plus de questions, donc je pense qu'on peut conclure. Et je vous remercie beaucoup pour votre présentation, mais aussi pour la première présentation et aussi à mon collègue William Baraka pour l'excellent travail que nous avons pu faire. Et pour ce premier webinaire, c'est vraiment, en français, c'est vraiment quelque chose de beau, car des fois, on manque ce type d'opportunité pour conduire des échanges scientifiques sur le plan d'anesthésie qui est aussi considéré comme une branche qui est un peu rarissime et qui est méconnue du public. J'espère que ceux qui participent aujourd'hui ne sont pas uniquement des anesthésistes, mais aussi d'autres professionnels de la santé qui ont pu savoir quelque chose de plus. Sans pour autant tarder, je vérifie les commentaires et puis nous pourrons conclure. OK, il n'y a plus d'autres questions.
Merci beaucoup tout le monde pour avoir participé à cette conférence et à plus pour d'autres conférences données par AFSTA. Au revoir. Au revoir.